Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue encore sur Yosko Born. Ce que j'ai vu là, ça m'a tellement fait rire que j'ai décidé de vous montrer ça. Deux pasteurs en train de parler la langue de l'église comme si c'est palabre. Moi, j'ai jamais vu ça. Vous serez même surpris parce que nous allons voir ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous déjà. Est-ce que vous croyez encore à cette histoire du parler en langue? Est-ce que c'est toujours d'actualité et tout ça? Ce que nous devons savoir sur cette histoire de parler en langue, c'est que c'est une chose qui est arrivée dans la Bible avec les disciples de Jésus. On nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue étrangère. Et c'est devenu bizarre. Personne ne pouvait comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Et les gens commençaient à dire que oh, ça c'est la langue des anges et tout ça. Parce que nulle part ailleurs on avait trouvé une explication à ce que ces gens-là étaient en train de dire. Genre, comme on va dire que c'est la langue de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et ici, aujourd'hui, dans les églises, souvent, il y a des gens pour se jouer les plus grands connaisseurs en matière de Dieu. Ils se mettent à parler aussi en langue d'une manière bizarre. Souvent, vous avez l'impression que c'est le nouchi qui parle. Ou bien c'est une langue maternelle. Mais là, ce que je viens de voir, là, honnêtement, c'est pas de la blague. Ça ressemble plus à de la comédie. Mais je ne t'ai pas tellement jugé avant d'avoir. Bon, je ne t'ai pas dit à prendre position avant d'avoir regardé ça avec vous. Hein. Donc, allons-y au studio, nous allons découvrir ce que nous devons découvrir. Vous avez cherché, vous avez trouvé ici. Nous sommes sûrs! Et on se bat, voilà. Soyez prêts. Ok. Là, on voit le studio. Hein. Âme sensible, je vais vous asséner à vous asséner en même temps. Voilà. Vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas prévenu. Parce que ce que nous venons voir là maintenant, c'est extraordinaire! Regardez ça! Un truc hors du commun. Ce que nous voyons ici, c'est la pure réalité. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. C'est bien réel. Regardez l'écran. C'est là que tout se passe. Tout se passe juste à l'écran. Juste là devant vous. Les deux pasteurs sont ici et ils veulent nous montrer ce qui se trouve dans leur ventre. Regardez ça. Hein? Ils sont en train de parler en langue comme ça. Hein? Ils sont en train de parler en langue comme ça. Est-ce que vous avez vu? Attendez, vous allez voir ça tout de suite. Regardez, ils sont là ici. En train de parler en langue d'une manière là, non, que vous ne pouvez pas même comprendre. Souvent, quand ces gens se mettent à parler ainsi, la plupart des gens ne comprennent pas. Et regardez-vous vous-même, regardez-vous-même. Waouh! Qui a accouché? Regardez bien encore. Ça, c'est pas la boubée, c'est même quoi? C'est pas la boubée, c'est quoi? Moi, je comprends pas. Est-ce que c'est Francie qui vous a même envoyé? Ça m'a tellement fait rire quand j'ai entendu tout ça là. Ah, je me suis dit, mais c'est forcé même. Qui vous a envoyé là-bas? Est-ce que Dieu vous a envoyé? Bon, c'est quelle langue vous parlez? Puis c'est comme si c'est pas là même. C'est comme vous, ça ressemble à un truc du genre comme si les pasteurs veulent nous prouver quelque chose, veulent nous prouver qu'ils savent trop parler, ils sont même trop spirituels que nous. Bon, venez nous expliquer, vous les deux pasteurs. Vous venez expliquer ce que vous avez dit là. Qu'est-ce que ça s'est dit? Venez vous expliquer parce que vous n'êtes pas seul. Et puis il y a d'autres gars encore qui vont venir encore devant nous aussi. Regardez, regardez, regardez-les. Un truc de ouf, un truc de ouf. Ces deux gars-là aussi ont des choses à nous dire. Écoutez-les. Wow. Est-ce que vous entendez quelque chose? En tout cas, moi, je n'entends rien.
selon eux, sans les parler à l'homme. C'est une langue que personne ne comprend à la salle. Et ils se mettent même à rire. Waouh. Qu'est-ce qui est rigolo dans ça? Qu'est-ce qui est rigolo dans ça? Qu'est-ce qui fait rire? Moi, je ne comprends pas. Il y a même un cas même là. Lui, même, il est trop fort dans ça. Jusqu'à mes points sur le téléphone. Regardez. Oh, Shakaya. Yes, Lord, have your way, have your way, have your way, have your way. Waouh. Regardez, lui, le monsieur de sa femme, on dirait. Pas sur deux coups de fou parler. Bon, frère, moi j'ai vu, ça m'a fait rire. Hein. Faudrait que je sois vraiment. Il faudrait qu'ils soient honnêtes, quoi. Moi ça m'a trop fait rire. Donc j'ai fait cette vidéo pour que vous m'aidiez à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Parce que moi je ne comprends pas bien. Bon, c'est en français ou bien c'est en chinois? Bon, s'il y a des Chinois ici qui sont abonnés à Nyang Subon, venez nous expliquer ce qui s'est passé ici. Ah! Moi, je ne comprends pas. Vous parlez dans une langue, personne ne comprend. Et puis, c'est devenu comme un spectacle. Oui. C'est devenu comme un spectacle où les deux premiers passeurs. Oui, bon, go, so, go, bon, bon. What? Il qu'on dit? What are you talking about? Hey! Ton parler la langue, c'est ni à faire où? Hey! Il n'y a pas longtemps, il passe à tenter de ressusciter quelqu'un. La personne est vivante et a besoin de les accueillir comme ça. Et puis la personne dit: oh, parce que je suis en vie, il attend juste ton ok, c'est moi pour que je me lève. Et quand le pasteur a fait ses prières, le gars tout à coup s'est levé d'une manière, non. Ça sentait bien qu'il avait envie de manger même. Hey, tout ce qu'on vit, ça a commencé à insulter les pasteurs. Ah, vous les pasteurs, vous êtes montés. Vous êtes montés. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Là, là, ça devient un peu exagéré. Là, là. Là, 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 vous êtes en train de gâter le coin. Vous les pasteurs, vous êtes en train de gâter le coin. Qu'est-ce qu'il y a pas à vous? Vous parlez en langue, puis il n'y a personne même pour traduire. Qui va traduire maintenant ce que vous venez de dire là? Ou bien vous allez vous laisser comme ça pour partir. On vient à l'église, c'est pour vous laisser comme ça pour partir sans rien comprendre ce que vous avez dit. Ah, nous ne comprenons pas. Mais si c'est pour parler comme ça, là, nous tous on peut faire ça. Oui, mais ça là, nous tous on peut faire ça. Nous tous on peut faire ça. Pourquoi souvent les gens me disent que c'est compliqué? Tu ouvres ta bouche, tu parles en français, tu dis: Seigneur, s'il te plaît. Et petit de moi, je ne connais rien, tu me cherches, aide-moi seulement à avancer. Ah, où est pas qui dans ça? Mais comme aujourd'hui dans les églises, c'est devenu du spectacle. Oui, aujourd'hui, c'est devenu du spectacle. Celui-là, vous pouvez qu'il connaît trop Dieu, qu'il connaît trop Jésus. Tous vous pouvez qu'il connaît trop le diable. Tous vous pouvez qu'ils ont fini avec la sorcellerie. Ils sont... Oh! Mais l'essentiel qui est de donner l'amour à son prochain, ça, il ne sera pas le fait. Surtout dans l'hypocrisie, dans la jalousie, la pure sorcellerie. Que tu n'importe quoi! Qu'est-ce qui va pas avec vous? Waouh! Ok, dites-moi ce que vous pensez et partagez cette vidéo à vos amis. J'aimerais voir ceux qui comprennent, qui parlent la langue ici. Venez me traduire ça. Venez me traduire ça. C'est moi, c'est ce que j'attends. Ok, soyez prêts pour la prochaine vidéo. Nous sommes chauds. Soyez prêts aussi. C'est parti. Pour ceux qui veulent faire le don pour nous soutenir, je dis bien, ceux qui veulent vraiment nous soutenir par un temps, dans la description se trouve notre email PayPal. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs pour le son de vous.